絶対にゴールまでつなげるんだ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa Dream Team. Donc aujourd'hui, Dreamco du mois d'octobre 2019, notre ami Shingo Inter de Milan revient. Il revient, malheureusement pas avec de nouvelles spé, ça on va le voir tout à l'heure. On va voir si c'est son leader skill et son passif. Il y a aussi le nouveau, enfin le potentiel du Santana vert des années du début du jeu, quoi. Voilà, avec la frappe du gauche de l'aigle doré, bah voilà, on le voit ici. La coupe Asie avec notre ami Wakashimazu. On a attends, il y a des nouveaux joueurs là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mignon tout ça. Attends. Le retour du jeu partagé en libre. Voilà, c'est cool. Attends, on va voir ça. Parce que là, je vois un nouveau Léo. On voit un nouveau Léo. C'est un Léo Sao Paulo, apparemment. Ouais, cette carte-là ne me dit rien. Et apparemment, ils n'en ont pas parlé. Donc, Santana, le soldat parfait. D'accord. Bon. Attends. Le Juan Diaz, mouvement surhumain dépassant le simple miracle. Ok. Oui, le Victorino, on le connaît. Le Espadas, on le connaît. Le Pascual, on le connaît. Mais ce Léo m'intrigue. Il m'intrigue, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Alors, attends, on va revenir. On va revenir. Donc la coupe Asie, hein, je vous laisse regarder les récompenses et tout. Hein, bon, comme d'habitude, des ballons SSR, etc. Ça ne change pas. Ça ne change rien à notre histoire. Hop. Allez. Allez, défi encore plus de force. Hein, d'accord. Voilà, il est là, le Santana gaucher, comme moi je l'appelle. Donc il a une nouvelle compétence, il a un nouveau leader skill, compétence, il donne tous les joueurs club 12%. Donc apparemment de n'importe quel club. Je vais quand même vérifier, mais normalement c'est ça. Et son tir prend 35%. Ça, il est devenu intéressant là. Là clairement... Il est devenu très intéressant, notre ami Santana, Sao Paulo, vert. Je suis en train de lire en même temps, il y a un club sud-américain, donc je pense qu'il va avoir un autre Tsubasa Sao Paulo, moi je dis ça comme ça. Tueur d'endurance, ah ouais, pas mal, 15%, ah ouais, pas mal, hein. Ils l'ont bien monté. Et d'accord, donc je crois qu'il faut qu'il y ait deux joueurs Sudam, club Sudam avec lui, il prend 15% supplémentaire. Ah, il est devenu intéressant le Santana. Ils sont pas foutus de lui, hein. Ils se sont pas foutus de lui. Donc mise à jour des médailles en ligne et des médailles ligue. Voilà. Attends. C'est des nouveaux joueurs, ça? Non, je crois pas que... Je pense pas que le soda, c'est... Par contre, le PP ne me dit rien. Le PP ne me dit rien. Attends. Ouais, donc là, il y a le Sakon qui m'intéresse. Dans le mise à jour recrutement conf. Le Sakon m'intéresse fortement, parce que j'en ai j'ai pas de Sakon SSR natif. Et ce serait cool d'en avoir au moins un. Donc partager, ça on le sait. Ouais, ça c'est comme d'hab si tu veux entraîner tes joueurs. Bon, maintenant avec
Avec les carnets UR Max et les entraîneurs UR Max, ça sert presque plus à rien. Ok, alors, on va aller voir le Shingo. En plus, le Shingo qui est un potentiel en plus. Donc, mais par contre, le Shingo qui va être vraiment très orienté milieu défensif. Parce qu'il va être très très fort en défense, dans ses stats de défense. Et toutes ces spés sont vraiment désignées pour un milieu défensif. Il est là. Hop. Shingo. Allez, collection. Donc, je crois que c'est le deuxième Shingo. Non, 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 non. J'ai failli me dire une bêtise. Ouais, mais bon, t'as un SR. Mais je parle, ouais, deuxième Shingo. Ouais, t'en as un autre aussi. Mais attends, celui-là, c'est le... Ouais, c'est le coffre, celui-là. C'est le coffre, c'est le coffre. C'est le coffre qui donne la B60 dribble. Mais je crois que c'est le premier... C'est le deuxième, pardon, Shingo Inter de Milan. Voilà. Hop. Et je crois, si je dis pas de bêtises, hein, mais peut-être que je dis une bêtise, dites-moi en commentaire si je dis une bêtise, mais je crois que c'est le premier joueur Dreamco Club. Je crois. Si je dis pas de... Et je crois que le seul Dream Fest Club, c'est Riva Hall. Si je dis pas de bêtises, encore une fois. Mais normalement, c'est ça. Il est milieu offensif, milieu défensif, il est rouge, il est beau, il est japonais, Lombardi Junior, 1251 en endurance, c'est un monstre d'endurance, c'est un monstre, c'est incroyable, incroyable. 13 970 en attaque, 3 956 en dribble, très faible en dribble, ah, c'est un peu bizarre pour un Shingo d'avoir 3 900 en dribble. Ouais, d'accord, tir 4002. Ouais, en tir, Shingo n'a jamais été puissant en fait. Il est malin, il est précis, mais il n'est pas puissant en fait. Et passe 5799. Défense 20 573. Tacle 7064 contre 6988. C'est pas mal. Pour le contre, c'est pas mal, mais bon. Ok, je sais pas pourquoi ils l'ont mis contre presque du 7000. Ça aurait été plus judicieux de le mettre en interception, mais bon. Pourquoi pas, mais bon. Je pense que l'interception aurait été plus judicieux. Il aurait fallu intervertir, mais bon. Physique, 16 560, 5 500 en rapidité, 5 000 en puissance et 6 000 en technicité. C'est assez bien réparti, j'aime bien. Ballon bas, très bon, et ballon haut, normal. Il donne à tous les joueurs club européen 16%, donc ça veut dire les Hambourg, la Juve de notre ami Gentile, par exemple Hernandez, les nouveaux Barcelonais qui viennent d'arriver, voilà quoi. En entendant les autres qui arrivent derrière, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ou sinon les autres clubs, 7% comme les Sao Paulo ou. Comment il s'appelle? São Paulo ou Flamengo. Ok. Donc lui, bien évidemment, plus il y a de joueurs de club qui participent et plus il prend ses stats, il prend 20% maximum, donc 2% par joueur. Voilà. Passe jungle qu'on connaît si bien, 240 de coup de stam qui peut monter jusqu'à 455 d'intensité. Interception, feinte, esquive, ça on le connaît aussi. 365 de stam, 450 en intensité. Et le tacle, défense, feinte et esquive, comme l'interception. 325 pour 315 d'intensité. Pas terrible. Le A80, là, le tacle qui coûte plus cher que l'intensité, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je sais pas si Shingo il a pas un autre tacle plus judicieux. Peut-être le tacle du Dream Fest. Il faudra peut-être voir tout à l'heure. Peut-être que je verrai après. Donc lui, la neige, il n'a pas de problème. Donc si vous avez si vous avez des events où il y a de la neige, tu peux le mettre. Il n'y a aucun problème. Il rend inactif deux scellements de l'ATS pour soi-même. D'accord. Il donne à tous les joueurs club 2%, très bien. Et récupération de 50% lors de l'étourdissement, c'est encore bien. Et interception automatique dans la zone centrale, 80%. C'est énorme, purée, c'est énorme. C'est encore plus fort que maintenant que notre ami, enfin pas plus fort,
que notre ami, comment il s'appelle, notre ami Kals, Kals Dreamfest. Kals qui est à 70 là, il est à 80%. Par contre, il faut le mettre vraiment dans la zone centrale. Et aussi notre ami Sawada Junior, non, World Juice, pardon, vert qui lui, normalement, est 100% quand il est dans la zone centrale. Il va vous falloir les médailles Gentilé, comme vous pouvez le voir. Le Gentilé Dreamco. Voilà, il va falloir, je pense, 25 pour le monter. On va aller juste vite fait voir le tacle de notre ami Shingo Dreamfest que j'ai ici. Hop. Juste voir son tacle. Voilà, son tacle. Bon, par contre, son tacle coûte très cher. Mais au moins, l'intensité est plus forte que. Plus forte. Voilà. Donc, faudra voir. Faudrait voir. Par exemple, le Shingo que j'ai là, le Kalivdonazi, qu'est-ce qu'il nous donne lui? Non, il n'a pas de. Il a pas de tacle. Il n'a pas de tacle. Bref. Je vous laisse regarder tout ça, mais pas mal. Le Shingo, il est pas mal du tout. Il est même très sympa. Attendez, je vais regarder celui-là, par exemple. Non, pas de tacle non plus. Bon, lui, il est pourri. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Il est assez pourri. Ok. Donc voilà, non, moi, franchement, le seul truc qui me dérange un peu, c'est son tacle. Son tacle n'est pas terrible, terrible. Mais bon, c'est comme ça. On va aller juste vite fait voir le Santana. On a pu le voir rapidement, mais je veux plus de précision. Santana, il doit être quelque part par là. Il doit être quelque part par là. Où est-il? Santana, où es-tu? Je ne te vois plus. C'est une blague, il est où Santana? À mon avis, il doit être devant. Ah non, non, il est là, avec son beau maillot du Brésil blanc. D'ailleurs, le Santana de la honte. Comme l'appelle si bien. Donc voilà, j'ai enfin eu le Santana Sao Paulo rouge qui est là. Hein. Enfin, mais bon, un peu trop tard. D'ailleurs, lui, c'est un mec, il a aussi son potentiel, ça serait sympa. Allez, le vert, 1057 en endurance, très bien. 17 255 en attaque, 5004 en dribble, 6184 en tir. Passe 5660, très bien. Défense 5002, 4007, 5005, c'est assez bien réparti, mais bon, voilà, c'est pas avec lui, c'est pas lui que tu as demandé, que tu as demandé de défendre. 16 218 en physique, puissance, il est faible en puissance, un petit peu dommage. Très bon en technicité et en rapidité, c'est sympa. Et Balba, bon, ok. Donc, lui, comme on a dit, il donne 12% à tous les joueurs club. Dans n'importe quel pays, ça c'est très intéressant. Si vous voulez commencer une méta club, bah, il faut absolument le monter. Et il prend 35% d'intensité de sa frappe. Regardez sa frappe, elle est à 440. Vous rajoutez 30% supplémentaire, ce qui peut être énormissime. C'est énormissime, 30%. 30%, on dépasse les 100. Donc tu rajoutes à peu près, tu peux monter jusqu'à 500. 500 et quelques d'intensité. Si tu la montes S99, son tir de l'aigle doré. C'est quasiment. Enfin, c'est pas le même passif, mais c'est dans la même veine que le Santana anniversaire. Que je vous montrais derrière. Le Santana turn à 80. Tu lui mets une passe. Tu lui mets la passe farmable B60. Et ça va. Voilà. Et ça va. Après, tu peux peut-être lui mettre le. T'as aussi la reprise là. La reprise acrobatique. Et voilà. Donc lui, il ne subit pas les flaques d'eau. Très bien. Résistance de la diminution des paramètres. D'accord. Il prend 2%. Ça, on l'a vu. Puis il y a deux joueurs. Il faut au moins 2-3 joueurs. Il faut 3 joueurs, jusqu'à 3 joueurs de club sud-américain. Très bien. Il tue l'endurance de 15%. Ça peut faire mal, ça. Ça peut faire mal. Non, 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 il est bien. Il est pas mal, le Santana. Ils l'ont respecté. Ils l'ont respecté. Celui que je voulais vous montrer, c'est notre. Moi, je n'ai toujours pas eu, d'ailleurs. J'ai le Dreamfest, mais j'ai pas le. Voilà, c'est lui. C'est le rouge.
Lui, il prend. Alors, c'est combien qui prend? Bah voilà, 30%. Tandis que l'autre, c'est 35. Donc, c'est plus. C'est plus. Donc, non, non, pas mal, pas mal. Pas mal le Santana. Pour commencer la méta club, c'est. Je pense que c'est un must-have. C'est vraiment un must-have parce qu'il prend. Il donne à tout le monde. Il donne vraiment à tout le monde. Donc, voilà. J'ai juste regardé Léo. Parce que Léo m'intrigue. J'ai vu on dirait qu'il y a un nouveau Léo club. Alors attends qu'on va voir. J'ai vu la nouvelle. Vous avez vu la nouvelle illustration? Non. Apparemment, elle n'est pas là. Donc c'est un peu intrigant tout ça. C'est intrigant. Donc voilà. Et comme vous l'avez vu dans le rate-up, il y a notre ami Naturezza, super remplaçant Dreamco. Qui fait extrêmement plaisir. Il est là. Il est rouge. Ouais, il est là. Il est là. Il fait mal. Il fait très très mal. Il prend 50%. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et il tue tous les Waka, bien évidemment. Voilà, bref. Quand il est en full power, c'est un super Saiyajin. En plus, ses Sugimoto sont. Son truc du potentiel, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Si c'est Sugimoto, c'est magnifique. On va acheter le ticket SSR du shop. On va aller voir vite fait. Hop. Allez. Allez, Tsubasa. Allez, Tsubasa. C'est quand tu veux. Ouf. Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai appuyé sur conf et pas sur. Voilà, boutique. Ouais, donc je disais, pour les tickets conf, j'aimerais vraiment avoir le Sakon parce que j'ai aucun Sakon SSR. SSR, quoi. Et ça me prend la tête. Marché. Marché. Yassé-massé. Est-ce qu'ils ont. Non, ils ont toujours pas remis. C'est des malins. Ils ont pas remis le ticket SSR là-dedans. J'ai 252 pièces de or. Voilà. Donc là, ils ont remis pour 62 jours. Aux joueurs, s'il n'y a pas des nouveaux joueurs, mais je crois pas. Le Alberto, ouais, on s'en fiche. Sawada, pourquoi pas. Un petit dribble S. Pour un Sawada. Pourquoi pas. Qui lui manque un petit dribble, ça peut être sympa. Le Taki aussi. Pourquoi pas aussi. Mais pour l'instant, OSEF quoi. Complètement OSEF. Voilà, ça. Tac, tac, tac. Ok. Allez, le ticket, on le prend maintenant. Voilà, merci. Et je pense même qu'on va prendre les deux tickets SSR. Allez, hop. Voilà. Ça fait 80 000. Hop, voilà. Ok, le PP. Le PP, Drip Sud-Américain, New Brésil Football. Le soda, je le connaissais. Le Kojiro, bon, le Kojiro aussi, on le connaît depuis longtemps. Hein. Léon Dick, ok, bon, on les connaît tous. Hein. On les connaît tous. Ok, item. Bon, j'ai pas assez pour le ticket. Je pense que je vais l'avoir au final. Hein. Je suis à 80 000, il reste 40 000 encore. Donc si je suis encore un peu de PVP, si je suis un peu de PVP, je vais l'avoir assez rapidement. Ok. Bon, les amis, on a 245. 245 Dream Ball. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. On va. Faire des singles jusqu'à 200, on va voir où est-ce qu'on en est. Et on verra. On verra. Donc ils sont encore là, nos amis barcelonais. On va commencer avec les tickets conf. Franchement, le Sakon, je le veux de ouf. Le Tsubasa, je l'ai déjà eu. Et j'ai eu sur Imachi, je l'ai déjà eu aussi. Allez, on va faire le ticket conf. Si j'ai le Sakon, je serais super content. Ouais. C'est le seul qui me manque des Thaïlandais. Bon, il y aura un SSR. Mais bon, ça veut pas dire forcément qu'on aura un joueur.
Ça fait plaisir de voir ça. Allez, 50, ce serait bien. Ça sent le Tsubasa. Je sais pas pourquoi je sens le Tsubasa. Bon, même pas. Que d'entraîneur. Ok, d'accord. Très bien. Très bien. C'est pour ça que je me. Faut pas s'affoler. Sur les tickets cons, faut vraiment pas s'affoler. Tac. On va faire les deux tickets SS, les deux tickets SR. On va voir, c'est un peu de luck. Ça fait très longtemps que j'ai pas droppé un SSR sur les tickets SR. Hein. Très longtemps. Non. Non, je préfère zapper. Ok. Ok. Bon, le ticket SSR, on va le faire peut-être à la fin. On va le faire à la fin. Allez, c'est parti. On va. Les Dreamco, c'est très compliqué. Hein. Les joueurs sont très intéressants. En plus, le Dreamco est un des seuls rares festivals, enfin, on va dire, portail, on va dire, où j'ai le moins de chances d'avoir de doublons, voire quasiment zéro. Voilà, comme 0% d'avoir. D'avoir des doublons parce que j'invoque jamais sur le Dreamco. Jamais. Pourtant, les gens sont complètement dingues. Hein. Sont ouf. Par exemple, le soda, j'aimerais bien avoir. Franchement, il y a des gens de ouf en Dreamco. Ils sont ouf. Donc, quand tu fais une multi, c'est SR garanti. Après, bien évidemment, le reste, voilà quoi. Ouais, le Galvan, pourquoi pas aussi. Ouais, le Galvan, on cracherait pas dessus. Notre ami Sawada aussi, pourquoi pas, très fort aussi. Alors lui, il laisse tomber. Le Ishizaki, ça serait ouf. On va voir les taux de proba. Les taux de proba. Allez, allez, allez. Il a du mal au jour du Dream Team, hein. Il a du mal. Donc du 5%, ça on le court. Donc 0,42. 0,42, après ça passe à 0,02. Voilà, c'est le seul Dreamco que j'ai, c'est le Margus. Le reste, j'ai pas. Voilà, le reste, j'ai pas du tout. Non, j'ai rien. Le Robson, je cracherai pas dessus. Bon, Salinas, bon, ça y est, maintenant, Salinas, le pauvre. Il est très dépassé. Mais je. Voilà. T'as le Hakai qui est pas mal aussi. Et le Soda. Le Soda. Ah, et le Jito. Putain, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir le Jito. J'aimerais trop l'avoir. J'aimerais trop l'avoir le Jito. Le Matsuyama est fort aussi. Le Matsuyama est complètement dingue. Le Morizaki aussi. Le Gentile, j'aimerais grave avoir. Le Kals aussi. Alors le Napoléon ça serait n'importe nawak, le Pierre aussi. Bon, tout ce qui est Waka et tout ça, non, ça on va éviter cela. On va éviter cela. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on va HK. On fait 9, c'est ça? 9, jusqu'à 200. Allez, c'est parti. On s'arrête à 200 et on fera un point à 200 Dream Ball. Attends, j'attends. Non, voilà, les flammes du troll. D'accord, j'y ai cru un tout petit peu, je vais pas vous mentir. J'y ai cru un tout petit peu. Mais il faut toujours attendre derrière. C'est vrai que ça fait plaisir aux yeux. Ok. Allez, on va y aller. Parce que franchement, l'anniversaire, là, j'ai envie d'économiser, quoi, tout simplement. J'ai envie d'économiser pour la suite, parce que voilà, quoi, il faut économiser. En tout cas, je vois que la vidéo Barcelone vous a bien plu. On a fait presque 2000 vues. Ça fait plaisir. Elle est que du R pour l'instant, c'est de la merde. Bon, flèche bleue, ça sent pas bon. Mais ça veut pas toujours dire grand-chose. Hein.
Des fois, flèche bleue, c'est SSR. Hein. Elle a encore 3 multi après. Je pense que j'ai tout claqué. Ouais, je pense qu'on va faire les quatre multi et on verra. On verra. C'est vrai que je vise le centre, je vise le Naturezza. Le Naturezza, on le vise complètement, les amis. Hein. Mais le Dreamco, c'est compliqué, le Dreamco, hein, les frères. C'est très compliqué, le Dreamco. C'est très compliqué. Bon, ils disent 5%, mais on a l'impression des fois que. C'est pas du vrai 5%, les frères. Hein. C'est pas du vrai 5%. Hein. Attends, mais je crois pas, hein, j'y crois pas. Non, non, non. Ok, juste en faire un petit point rapide sur la box. Voir combien il me reste. Parce que si je fais des multis, eh ben, on aimerait bien voir. Pour pas qu'on soit embêté. Hein. Alors, joueur. Allez! J'aurais peut-être dû faire ça avant. Vendre, on va vendre. Ok, donc il me reste 30 places. Bah écoute, tout ce qui est. Hop, ça dégage. Même ça peut dégager. Ça aussi, ça aussi. Je sais même pas ce que ça donne, ça. C'est quoi? C'est une reprise, c'est ça? Twin shoot. Pff, ouais, si tu veux. Si tu veux. Tac splendide. Ça, par contre, faut garder parce qu'on sait jamais. Ça peut être utile. Toi, tu dégages. Et tu dégages. Allez. On va voir s'il y a des. Voilà, hop. Voilà, ça dégage aussi les carnets SSR et les coachs SSR. De toute façon, j'ai plein de coachs UR Max. Donc. Voilà. On a fait le. On a fait le. Le ménage. Ah, désolé. Hop, allez, on repart. Peut-être que ça a remis un petit peu de luck. Allez, première multi, on y va. C'est la première fois que je viens dans un Dreamco avec beaucoup de Dream Ball. Hein. Si on pouvait toucher un SSR maintenant. Attends. C'est bon, SSR. Allez. Ça sera qu'un seul normalement. Ah pas. Si ça pète. Allez. Allez. S'il te plaît. Je pense que si c'est un des right top, je vais m'arrêter là. Oh, le gentilé. Oui. Oui, le gentilé. Ah, je suis content, bordel de merde. Ah, je suis happy là. Ah, je suis content. Ah, je suis très content. De toute façon, des doublons, je pouvais pas avoir deux doublons. Ah ouais, super, 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 super. Je suis content. En plus, je peux lui mettre un contre. Je crois que j'ai peut-être un doublon du contre. Le contre du dandy. Je crois que j'ai un doublon contre du dandy. Donc je lui mets le S vu qu'il l'a pas. Ah, je suis content. Je suis très content. Ce qui est bizarre, vous avez vu, 1009 en contre, mais il n'a pas de contre. Voilà, c'est comme ça. J'ai envie de me faire une dernière multi, histoire de. Et après je m'arrête en fait. Là je suis content les frères. Là je suis très content. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a le Naturezza? Ouais, oui. Je suis très content pour le gentilé, vraiment, mais vraiment. Très content. Allez, vas-y, une dernière. On va voir ce que ça donne. Oula, c'était la multi trop les frères. Aïe. Ouais, c'est full SR. Ok, full SR. Ok. Franchement, j'ai même envie d'aller au bout. Hein. Allez, on y va au bout, allez. On s'en fiche. Pas de regret. Je veux pas de regret.
J'ai pas de regrets. Ouh, Naturezaki apparaît. Non. 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 Il apparaît, mais non. Non, non, non. Mais quoi qu'il arrive, je serai content. Voilà. Quoi qu'il arrive, je serai très content. Voilà. Il y a le ticket, c'est ça qu'on va craquer derrière. Quoi qu'il arrive, je suis super content. Mais c'est vrai que le portail Dreamco, c'est un portail que je n'invoque quasiment jamais. Oula! Oh putain! Oh, 245 Dream Ball pour un seul SSR! Eh, c'est dur! Ah, il est dur le jeu! Bon, heureusement, je m'en sors bien. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû m'arrêter. Mon ami Begito aussi, c'est pour lui, c'est très très dur le Dreamco. Hein. Mais je crois que c'est dur pour tout le monde. Mais c'est pas grave. Franchement, je suis pas malheureux. Je sais que les Dream Ball, ça va retomber. Les cadeaux, ça va tomber. Donc là, maintenant, je pense qu'à partir de maintenant, on est en octobre, mi-octobre. Je pense qu'après, pendant 2 mois maintenant, je crois que ça va. J'ai plus invoqué. Je pense que je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là, je pense. C'est dommage. Voilà, Naturezza, elle est là. Il arrivera un jour. Voilà, il faut se dire ça. Un jour ou l'autre, il va tomber sur la. Il tombera sur le. Quand tu t'y attendras pas, tout simplement. Bah regardez, par exemple, le jeune Tilly, je viens de l'avoir. Bah il était même pas rate up et il est tombé. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours comme ça. Allez, ça fait plaisir. Voilà, le plaisir des yeux. Magnifique, les souvenirs. Bon, même personne qui apparaît. Allez, espérons. Allez, un SSR que j'ai pas. Ce serait vraiment cool. Un SSR que j'ai pas. Ah, dommage. Merde. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Je vais voir si son compte, je peux pas donner un autre Bounack. Je sais pas si j'ai pas un autre Bounack. Il faudrait que je voie ça. Un Bounack qui a besoin d'un compte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, content. Content pour le gentilé. Je le voulais vraiment, et surtout il va remplacer mon ancien gentilé que j'ai pas jeté, bien évidemment, mais que je gardais. Mais voilà quoi, il va faire plaisir. D'ailleurs, on va le monter tout de suite. Vous allez voir, ça va être très rapide. Ça va être extrêmement rapide. Hop, entraînement. On va lui mettre le cadenas et tout, hein, voilà. Ouais, un petit peu. Ouais, non, j'aurais dû m'arrêter là. Après, j'ai pas assez d'expérience dans le Dreamco. J'ai pas assez d'expérience. Je sais qu'il y en a, ils se seraient arrêtés là direct. Mais après, bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On va mettre n'importe quel carnet. Vous allez voir. Hop, voilà. 80. Hop, c'est parti. Non, pas de pub. On n'a pas le temps. Encore, je serais en off. Oui, j'aurais mis la pub. Mais là, pour pas vous embêter, les amis, on va mettre directement. Mais du temps le jeu. Hein. Allez, évolution. Évolue, 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 frère. Évolue. Normalement, j'ai un gentilé doublon pour lui. J'ai bien dit normalement. Normalement, je l'ai. Donc il va falloir que je fasse son éveil du potentiel. Entraînement. Hop. Allez. On va lui mettre un entraîneur UR Max. Voilà. Elle. Hop. Et hop, voilà. Ah, il est pas. Attends. Ah, il n'est pas monté 90? Attends. Donc, faut lui mettre un carnet rouge. UR. Je dois en avoir un. Il est là. Voilà. Tranquillement. Non, je vais pas. Je voulais pas mettre la pub, putain. En plus, c'est du Senseiya. En plus, magnifique. Voilà, bravo. Bravo, Letko. Bravo, Letko. Bon, encore aller quelques secondes. Il est vraiment comme ça, le jeu. Je pense. Dites-moi, les amis, en commentaire, est-ce qu'il est vraiment comme ça? J'ai pas l'impression qu'il est comme ça. C'est vraiment des vraies images de gameplay, parce que quand je vois les images de mes amis sur Twitter, j'ai pas l'impression que c'est les images de game, des vraies images de gameplay. Ah ben voilà, j'ai gagné une Dream Ball. Super. Allez, la remontada commence maintenant, les frères. Après, en plus, j'ai encore 5 Dream Ball hebdomadaires là, à récupérer là. Donc, non, après, faut. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on va économiser. Éveil du potentiel.
Allez. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Bah, de toute façon, il ne me l'aurait pas suggéré si j'avais pas tous les. Voilà. Si j'avais pas tout. Allez. Non, il est très très fort ce jeune Thiel. Il est très fort, je suis content. Je suis très content de l'avoir. En plus, c'est un joueur club, donc c'est très bien. C'est un joueur européen, très très bien. Et voilà quoi, tout simplement. Bon, bien évidemment, je ne pourrais pas finir son arbre complet, parce qu'il me manque des pièces. Des pièces gentilées, mais. On va le monter gentiment. Allez. Ok, on va voir où est-ce qu'on en est. Alors là, bah voilà, hop, bon, un petit peu ici en bas. Là, complet. Là, quasi complet. En haut, un petit peu complet. Et là, sur la gauche. Ouais, il va terminer assez rapidement. Assez rapidement. Voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo invocation sur le Dream Coup vous aura plu. Plus la présentation de notre ami Shingo, Inter de Milan, Lombardie, ou ce que vous voulez. Je vous donne rendez-vous sur du Captain Tsubasa Zero ou Dream Team. Ou sinon, suivez-moi sur Twitter pour la Tsubasa Cup Paris V2. Je vous kiffe, prenez soin de vous et j'espère que vous avez droppé du lourd dans ce Dream Co. Ciao, ciao!